hope I start talking crazy before you understand me. Are we through? You think that I'm beneath you, but you like the things that I do. Wrap them up and take them with you. You need me, sunshine. You're the best time I ever, ever had. But I think I made you feel bad. The black fly on your necktie, time after time. But when the sun starts sinking on your beautiful soul, make you cry, cry, baby, make you feel so cold. Yorana à tous et à toutes. Après une journée off hier, la compétition a repris aujourd'hui avec de belles conditions. Des vagues à plus de 2,50 m. De quoi faire plaisir à nos Polynésiens Michel Bourez et Kaoli Vast qui ont brillé dans leur série aujourd'hui. On voit ça tout de suite en images. Michel Bourez dans l'exercice de son art. Le Spartan est actuellement classé 11e meilleur surfeur. Face à lui, Sébastien Zaitz, le Hawaïen, classé 23e ici avec son casque noir. Lors de ce duel, peu de grosses vagues ont montré le bout de leur nez. Alors il fallait se battre sur chacune d'elles. De plus, avec les jours de compétition annulés pour manque de vagues, les duels se chevauchent. Les surfeurs se retrouvent à 4 dans l'eau en même temps. Pas l'idéal pour la compétition. C'est dur, hein, parce que bon, c'est la première fois qu'on essaie le overlapping hit ici, donc on est 4 à l'eau. Et les 20 premières minutes, on n'a pas la priorité, donc on est obligé de subir ce que les autres dans la série d'avant font. Quoi, hein. Mais bon, voilà, ça s'est bien fini, donc c'est le plus important. Effectivement, ça se termine bien pour Michel. 9 vagues prises contre 7 pour son adversaire. Pourtant, le natif de Rurutu est mené par le Hawaïen. Vraiment trop petites les vagues pour le Spartan. Alors, il puise au bout de ses ressources et au fond de l'océan. Sur la toute dernière vague, il marque 6,17 points. Celle-là était conséquente. Bourez, qualifié pour le 4e tour. Le surfeur de gros est heureux de retrouver les dimensions de vague fidèles à la réputation de Teahupo. Ouais, je suis enfin content d'avoir ce genre de conditions. Bon, la série juste après moi, il y a beaucoup plus de grosses. Donc, je l'ai préféré peut-être être dans cette série parce qu'il y a... C'est plus facile, on va dire, quand c'est plus gros, hein, parce qu'on était sûr que la vague, elle tube et qu'il y a de la place dedans. Mais je suis quand même content d'être passé, ouais. Les grosses vagues sont belles et bien de retour. Le Français Johan Duru, classé 17e mondial, en profite. Il affronte William Cardozo, le Brésilien, en mauvais blanc. Pour ces deux-là, c'est un festival de grosses vagues auquel il n'était pas habitué durant les compétitions. Ça faisait 2 ans que je venais, c'était petit, et là, c'est vraiment le plus beau que j'ai eu, ouais. C'est pourquoi c'est tout ça à l'aise, c'est là où tu es le meilleur. Au moins il y a plein de vagues, donc c'est sûr si tu t'assois au bon endroit, que tu démarres et tu réussis tes coiffes, normalement tu fais un bon score, donc ça donne plus de chance à tout le monde, c'est le top. On essaie de se qualifier pour surfer des vagues comme ça, donc là je suis super content. Le Français saisit toutes les occasions et elles sont bonnes. Il obtient 6,77 points pour sa meilleure vague. Le Brésilien, quant à lui, ne parvient pas à dépasser ce score. Johan Duru de Biarritz est donc qualifié pour le 4e tour. Première partie de la série, il y a eu plein de vagues et on avait la deuxième prio, mais il y avait des vagues pour tout le monde. Du coup, j'ai pu vite avoir des scores et ça m'a mis dans un bon rythme. Après, il n'a pas eu trop de vagues, donc c'était cool pour moi. Autre Polynésien dans cette compétition, le jeune Kaoli Vast, qui a gagné les sélectives de cette année. Kaoli est l'outsider de la compétition, face à lui le leader actuel du tour, l'Américain coloré Andino. Sur les réseaux sociaux, seuls 22% donnent Kaoli vainqueur. Mais lui n'en a cure, il surfe 2 bonnes vagues dont une notée 7,83 et expulse le maillot jaune du tour vers les bancs des éliminés. Très belle victoire pour Kaoli. Ouais, franchement,
j'y croyais pas trop, mais après je me suis bien concentré avant la série, j'étais bien, j'étais serein, j'avais commencé avec une bonne vague en plus, et il me fallait une deuxième bonne, j'arrivais pas à trouver, enfin j'ai eu des bonnes, mais pas le score, pas suffisant. Et à la fin, j'étais under prio et j'ai réussi à prendre la vague et qui m'a permis de passer. Et le overlapping, ça t'a pas déstabilisé juste... C'est la première fois que je faisais ça. Jérémy m'avait bien coaché avant, m'avait bien expliqué comment ça se passait et tout. Et ouais, en plus, il était dans la série avec moi, du coup, c'était cool. Franchement, c'est top. Ok, cool, tu rejoins Michel ? Ouais, franchement, c'est cool. Ou aussi ? Ouais. On attend, il va passer, c'est bon. Jérémy Flores montre encore une fois que Teahupo est un de ses spots préférés. Vainqueur de l'édition 2015 de la compétition professionnelle ici même, le Réunionnais n'a aucun mal à se débarrasser de son adversaire, l'Australien Wade Carmichael. Jérémy se qualifie pour le quatrième tour sans trop de difficultés. Content de passer cette série. C'est compliqué parce que c'est un peu entre deux tailles en fait. Du coup, c'est dur de trouver la vague pour pouvoir être bien deep et tout ça. Mais je suis content. Le job est fait. C'est ce qui importe, c'est de gagner la série, peu importe comment. Mais j'espère faire beaucoup mieux dans la prochaine. Kaoli est passé aussi. Il a battu le numéro 1 mondial. Ouais, c'est beau. C'est beau ce qu'il a fait Kaoli. C'est magnifique. Après, dans ce genre de vague contre Colohen Dino, je pense que c'est pas vraiment une surprise. Il mérite, il est beaucoup, je pense qu'il connaît beaucoup plus ce spot que lui. Du coup, ça a sûrement choqué beaucoup de monde, mais pas moi en tout cas. Et alors justement, tu vas le rencontrer. Ah ouais, ok, ah, ça va être une bonne petite série ça. Allez, ça va être sympa, avec le petit frère. En attendant de retrouver nos Polynésiens pour le round 4, hier nous nous sommes baladés lors de la journée off pour savoir ce que les surfeurs professionnels faisaient en attendant la compétition. Regardez. Il n'en a peut-être pas l'air, mais cet homme est un surfeur et water patrol. Ses prises de vue ont été réalisées durant les jours de compétition. Les vagues ne sont pas au rendez-vous. Autrement dit, des jours de repos pour les surfeurs, water patrol et autres caméramans. Les discussions ces jours-là tournent autour de sujets autres que la compétition. Généralement, nous allons nager jusqu'au récif avec masque et tuba pour observer les poissons et nager alentour. Nous avons visité les cascades et les grottes du coin, puis nous avons fait du poisson cru et le barbecue est juste merveilleux face au coucher de soleil. Durant les jours off, il y a vraiment de belles vagues à Teahupo. On les apprécie, en plus, il fait beau ici, au paradis. On fait du tourisme et on joue aux cartes. Les day off sont les seuls moments où les surfeurs s'intéressent aux bobos des journalistes ayant osé braver même les vagues les plus accessibles du spot. Les jours de repos à Tahiti se résument à du plaisir, comme cueillir des noix de coco, en tirer du lait frais, jouer aux cartes. Et puis les vagues sont juste irréelles, environ 1 mètre, avec de petits tubes pour s'éclater. Il faut juste essayer de ne pas se couper sur le récif. Mais les surfeurs ne restent en général pas très longtemps au sec. Ils ressentent rapidement le besoin de retrouver les murs d'eau et les sensations de glisse, surtout en compétition. C'est un peu sentir tout, hein. C'est prendre des ondes positives, on va dire. C'est avec le spot, connaître le spot davantage, si on n'a pas eu l'occasion de surfer beaucoup. Et puis, comme je disais aussi, le matériel, de bien voir si... La planche est vraiment bien adaptée au spot. Petit surf juste pour rester dans le timing, quoi. Petit surf tranquille, et repos et surf. Et enfin, il y a ceux qui apprécient tout simplement le village de Teahupo et ses habitants. Durant mon jour de repos, je reste dans le coin. Et quel endroit pour être au repos. J'aime Tahiti, les habitants sont si sympathiques. I love you guys so much. Maruru, maruru. Retour à la compétition avec nos deux Polynésiens, Michel Bourez et Kaoli Vast. Malgré une belle bataille, ils s'arrêtent aux portes des quarts de finale. Tout de suite, un résumé en images. Énorme vague pour le quatrième tour. De quoi satisfaire Michel Bourez qui entame le score avec une vague à 8,67 points.
Face à lui, Owen Wright, le 12e mondial. Ce dernier surenchérit avec une vague à plus de 8,83 points. L'Australien enfonce le clou avec une autre à 9,67 points. C'est proche de la perfection. Mais Michel n'est pas loin, il chevauche des monstres lui aussi, dont un qui lui rapporte 9,43 points, mais c'est insuffisant au total. Bourrez éliminé de peu, mais loin d'avoir démérité. C'était vraiment un hit spécial. Il y a eu beaucoup de bonnes vagues. Je suis triste pour Michel, mais nous avons eu de bons moments. On s'est dit qu'on resterait potes, peu importe ce qu'il arrive. Terrible déception pour le Spartan qui a tout donné. Bravo à Owen Wright, l'Australien a su s'attirer les faveurs des juges du haut de ces montagnes d'eau. En tout cas, merci à eux deux pour ce spectacle extraordinaire. C'était un moment très spécial avec 15 à 20 très bonnes vagues non-stop. C'était un moment extra, peut-être le meilleur hit de l'année. Défaite également pour Johan Duru dans la troisième série de ce quatrième tour. Après deux bouffes, il s'incline avec un score total de 9,27 points face au champion du monde 2015, Adriano de Souza. La tempête brésilienne, comme on l'appelle, engrange plus de 17,5 points en total. Dans la cinquième série du quatrième tour, on retrouve Kaoli Vast contre Jérémy Flores. Cette série, c'est comme une battle en famille. Pas besoin de jouer la priorité avec les conditions de houle qui se sont améliorées. Chacun fait de son mieux pour réussir à scorer les meilleures vagues. Après une tentative échouée, Kaoli se retrouve dans la mousse au point d'impact, heureusement récupéré par des water patrol aguerris. Vast est rapidement ramené sur le line-up, là où se forme la vague. Il récupère auprès de son caddie, son petit frère, une nouvelle planche avant de ramer de nouveau vers le large. Face à lui, un Jérémy Flores en confiance et habitué des conditions de gros sur le spot lui aussi. Malgré de belles tentatives, Kaoli Vast doit s'incliner. Et c'est direction les quarts de finale pour Jérémy. Jérémy qui était sorti vainqueur à la Terre au Pau en 2015. J'étais vraiment content d'avoir fait un hit contre lui. Après, c'était gros, il a une bonne vague, j'étais content. En plus, c'était cool parce que vu qu'on est copains, c'était chacun son tour. Moi, j'étais content qu'il y aille, il était content pour moi et franchement, il n'y avait pas de... Tout était parfait et c'était vraiment... Ça faisait plaisir. Kaoli, c'est le petit frère, je pense qu'il aurait aimé gagner, c'est sûr, mais je suis tellement fier de lui pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit. Je pense que c'est un exemple à suivre pour tous les jeunes, surtout à Tahiti, mais partout en France, en Europe, parce qu'il s'entraîne énormément et c'est un surfeur qui va faire partie des meilleurs mondiaux très, très vite. Donc là, il a prouvé encore aujourd'hui déjà qu'il surfait très très bien les grosses vagues, sûrement un des meilleurs jeunes au monde dans ce style de vague. Et donc voilà, bah, c'est dommage qu'on soit tombés ensemble, j'aurais préféré tomber ensemble dans les finales, mais c'est comme ça et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Malheureusement pour nos champions, il ne reste plus que Jérémy Flores en lice. Rappelons qu'en 2015, le Réunionnais avait remporté la Billabong Pro Tahiti. On espère qu'il renouvellera son exploit. En attendant, je vous dis au revoir et on se retrouve pour le quatrième jour de compétition.